Coucou! Il y a très longtemps, on m'a conseillé ce livre, genre il y a 4 ans, et je l'ai lu, parce que j'aime bien qu'on me conseille des livres, mais je suis un peu lente. Et j'ai regretté parce que c'est vachement bien. Donc c'est un roman, c'est écrit roman, mais en fait, c'est pas vraiment un roman, c'est un récit autobiographique. L'auteur nous raconte sa vraie enfance et sa vraie adolescence qu'il a vécu pour de vrai, car Eddie Bellegueule, c'était son vrai nom, à Édouard Louis. Bellegueule, quoi. C'est fou ça comme nom de famille quand même. Bref. Donc Édouard Louis, enfin Eddie Bellegueule, il est né dans les années 90 et il a grandi dans un petit village de Picardie, dans une extrême misère financière mais surtout intellectuelle. C'est une lecture assez éprouvante, hein. Je te cache pas qu'il y a des moments très glauques. Parce qu'en fait toute son enfance et son adolescence, il va subir des insultes, le rejet total des autres. C'est-à-dire des autres enfants ou ados, mais surtout de ses parents, de sa famille en fait. C'est-à-dire que ses propres parents, son père et sa mère, l'insultent régulièrement et le rejettent, ne l'acceptent pas comme il est, quoi. Le taquine de manière assez violente, en fait. Donc en gros, il va grandir sans marque d'affection, enfin en tout cas pas visible. Je pense que ses parents ont pas pensé mal faire, mais clairement, ça me paraît difficile de s'épanouir normalement dans ces conditions. En fait, il va vite comprendre qu'il leur fait honte, ils le trouvent bizarre, ils le trouvent pas normal, ils comprennent pas son fonctionnement, ils l'appellent très régulièrement le débile, qui est un sobriquet tout à fait délicat. Alors pourquoi tant de rejet? Eh bien tout simplement parce qu'il est différent des autres garçons du village. Par exemple, il veut pas faire de foot, ça lui plaît pas du tout. Bah vraiment pas. Et pire, il a des manières de fille, ce qui va lui valoir d'être surnommé très régulièrement le PD. Bref, voilà, il rentre pas dans le moule. Donc voilà, ça en fait une lecture assez difficile. Moi j'ai chialé au bout de 2 pages, hein, je pense à peu près. Une des plus grosses critiques qui a été faite de cet ouvrage, c'était qu'il était voyeur. Il était un peu genre règlement de compte, parce que bah bon, il clash quand même toute sa famille et tout son village. Mais il le fait pas d'une manière revancharde, je trouve. Son propos, en fait, il est, à mon avis, universel. Il raconte effectivement des trucs très perso, mais qui sont vécus par des centaines, des milliers de personnes. Donc non, pour moi, il n'y a pas de voyeurisme. Et vu qu'il porte le propos plus haut que juste de « Ah, mes parents, c'était trop des connards », en fait, lui, il nous pousse déjà à comprendre ce qu'il a vécu. Parce que ouais, on est dans les années 90 en France, et ouais, ça s'était passé comme ça, et je pense que ça se passe encore comme ça dans certains endroits, dans certaines têtes surtout. Mais en fait, ce qu'il pose en gros comme question, c'est comment ça se fait que ça se passe comme ça. C'est juste comment des parents en viennent à rejeter leur enfant de cette manière. Et comment il a été amené à vivre cet enfer parce qu'autour de lui, les gens manquent cruellement d'ouverture d'esprit et d'éducation, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'à travers son récit... Tu fais chier, c'est ça ? À travers son récit, il va aborder un tas de sujets hyper intéressants comme le harcèlement scolaire, par exemple, les classes sociales, la pauvreté, la misère intellectuelle, les problèmes de santé qui vont pouvoir être liés à ça, parce que qui dit misère intellectuelle dit métier précaire, dit métier qui te flingue la santé. Il raconte aussi comment son père est devenu limite dépressif parce que en arrêt, justement, il s'était fait mal au dos, enfin son corps est cassé de toute façon, clairement. D'ailleurs, je crois que c'est le sujet du dernier livre de l'auteur. Comment il se retrouve avec des soucis un peu psy, dépression et de déprime parce que il peut plus travailler et qu'il est vu comme un bon à rien parce que l'homme de la famille est censé ramener de l'argent et qu'un homme au chômage, c'est la honte, quoi. Dans ce village-là, c'est voilà, tu remplis pas ton rôle, tu sors des cases. Et donc comment il tombe dans l'alcool et dans regarder la télé toute la journée en attendant que ses potes débauchent et puissent passer prendre l'apéro. Et comment l'alcool engendre la violence, le cercle vicieux finalement. Bien sûr, il va aborder donc l'homophobie, hein, ça on avait bien compris, le racisme également. Bref, tout un tas de qualités qu'il a connues étant jeune. Et pour finir, il va parler aussi de conditions des femmes et de conditions des hommes. C'est-à-dire qu'il va aborder un petit peu des thématiques féministes en expliquant voilà comment se comportent les femmes dans le village,
Enfin, surtout, on attend qu'elle se comporte. Mais le truc chouette aussi, c'est qu'il va parler de masculinité et de c'est quoi être un homme dans ce village et pour sa famille et comment on doit se comporter quand on est un homme et comment il n'est pas considéré, lui, comme un homme, puisqu'il ne se comporte pas de la même manière que les autres. Et c'est intéressant parce que du coup, le féminisme, c'est ça aussi, c'est de libérer aussi les hommes de leur carcan viriliste, quoi. Voilà, donc un auteur à suivre. Alors, à savoir que donc c'était son premier récit et que le gars avait 21 ans quand il l'a écrit. C'est un petit peu épatant. Bon, déjà, il écrit un bouquin, ok, c'est bien. Mais surtout, le travail de la langue. Il a tellement travaillé son récit sur vraiment le langage qu'on y est tout le temps. On lit pas ça avec du recul et c'est pour ça qu'on se prend plein la gueule d'ailleurs. Tout le temps, on a l'impression d'être derrière son épaule, dans tout ce qu'il vit et dans tout ce qu'on lui dit. Donc c'est d'une violence palpable. C'est assez ignoble, hein, être comme ça, vraiment dans la merde avec lui jusqu'au cou. C'est vrai qu'on comprend très très bien, très très vite, pourquoi il s'est cassé de là, le plus vite possible. Donc je spoil pas, hein, si le type finit par écrire des romans, c'est que finalement, ça n'est pas trop mal sorti. Heureusement pour lui. Et notamment, grâce au théâtre. Et ça, c'est cool. Bref, lisez-le, vous m'en direz des nouvelles. Et si vous l'avez déjà lu, dites-moi si vous avez aimé. Si vous avez lu d'autres livres de lui, dites-moi aussi si c'est cool, parce que j'ai tellement aimé que je pense que je vais lire les deux autres. Je crois qu'il y en a deux autres. Et voilà, je vais m'arrêter ici. Ah oui, si. Ma prochaine lecture devrait être ceci. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Bisous.